Bonjour, chers élèves. Je vous ai laissé la dernière fois avec la question euh, de la localisation, d'abord de la détermination de euh, la relation de dominance entre les allèles de l'anomalie responsable, donc de d'une anomalie responsable des allèles, pardon, responsable d'une anomalie dans cette famille tunisienne. Et la question, c'était L'allèle de l'anomalie peut être dominant, l'allèle de l'anomalie peut être récessif, et on vous a demandé de discuter les deux hypothèses à la fois. J'espère que vous avez fait un petit effort pour répondre à cette question. Avec vous, on va essayer donc aujourd'hui de voir comment on peut répondre à ce genre de questions. D'abord, on va les discuter les hypothèses une par une. On va essayer donc de discuter la première hypothèse, l'hypothèse 1, l'allèle de l'anomalie est dominant. L'arbre généalogique. On va toujours essayer d'observer le maximum les individus qui appartiennent à cet arbre généalogique. L'allèle de l'anomalie est dominant. Je trouve bien sûr des malades dans toutes les générations. Et remarquez très bien que chaque individu malade, dans la deuxième génération, ainsi que dans la troisième génération, a au moins un parent malade. Donc ça, c'est une méthode, c'est une approche de discussion. Tout, tout descendant malade doit avoir... Au moins un parent malade, c'est le cas des descendants de 1, de 3 et 3, 1. Mais en génétique, il n'y a pas un seul, bien sûr, il n'y a, a pas une seule approche pour discuter. Il y a plusieurs possibilités de discussion. Il y a plusieurs raisonnements possibles. Peut-être que l'un de vous va me dire que je vais utiliser la fille de 2. Je peux discuter sur la fille de 2. Bien sûr, on peut discuter sur la fille de 2. On peut accepter tous les raisonnements à condition qu'ils soient logiques. La fille de deux, elle est saine. Et je discute une anomalie qui est dominante. La fille de deux, elle est saine, donc elle est obligatoirement est homozygote. Elle porte les deux allèles sains. Elle aurait hérité un allèle de son père sain et un deuxième allèle de sa mère. Donc chez la mère, l'allèle de l'anomalie se trouve à l'état masqué. L'allèle, pardon, de l'allèle sain se trouve à l'état masqué. L'allèle de l'anomalie, puisque la mère, elle est malade, c'est l'allèle sain qui se trouve à l'état masqué. Dans ce cas, on peut retenir l'hypothèse de l'anomalie qui est dominante. Donc l'hypothèse est à retenir. On peut discuter donc on peut dire que chaque individu malade a au moins un parent malade, c'est le cas de ces deux individus et de la fille de la troisième génération ou bien aussi on peut discuter sur les individus sains. Deuxième hypothèse. L'hypothèse l'allèle de l'anomalie est récessif. Donc je discute à partir d'une hypothèse un allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote, je le rappelle toujours. J'ai une fille malade ici, 3-1. La fille malade 3-1 aurait hérité un allèle de la maladie de son père, qui est l'individu de 3, et un deuxième allèle obligatoirement de sa mère. Alors la mère, elle est saine, donc la mère doit être hétérozygote. C'est ce que vous voyez ici dans la discussion. Donc deux parents, la malade et l'autre saint. Qui peut être hétérozygote, peuvent donner des descendants malades, ce qui est le cas dans le pi-degré et le couple 1-1-1-2 pris comme exemple. Donc, dans ce cas, aussi, je retiens l'hypothèse. L'hypothèse, elle est à retenir. Je me retrouve ici avec deux hypothèses retenues. Donc, l'hypothèse de la maladie dominante, l'hypothèse de la maladie récessive. Or, dans une maladie génétique ou d'une maladie génique, on ne peut pas parler d'un à la fois d'un même allèle qui contrôle une maladie et qui est à la fois dominant et à la fois récessif. Donc ici, on aura besoin d'un autre document, d'un autre argument, d'une autre donnée pour pouvoir trancher entre ces deux hypothèses. C'est ce que va nous donner l'exercice dans la deuxième partie, dans la deuxième question. Sachant que la femme 3, 1 est homozygote, précisez laquelle des deux hypothèses précédentes est confirmée. Si je vous donne cette donnée, la femme 31 homozygote. Comment vous pouvez trancher entre les deux hypothèses Femme 31 homozygote. C'est un phénotype, elle est malade. Et elle est malade et porte les deux allèles, elle est homozygote donc elle porte deux allèles identiques, donc les deux allèles de la maladie. La femme elle, est de génotype, elle, elle porte les deux allèles. Elle est de génotype M ou M, que ce soit X ou bien autosomale. On n'a pas encore déterminé la localisation. L'essentiel, c'est qu'elle porte l'allèle de l'anomalie en deux exemplaires. D'où est-ce qu'elle a hérité ces allèles Bien sûr, l'un de son père de 3 malade et l'autre de sa mère saine. Donc la femme 3 a elle est homozygote malade, possède deux exemplaires de l'allèle muté. Donc, elle hérite obligatoirement l'allèle muté de sa mère, de 4, saine, d'où la mère 2,4. Chez la mère de 4, euh, l'allèle la muté est masquée par l'allèle normal. Donc, ici, on a répondu à la question, finalement, et on a tranché entre les deux hypothèses, et on a vérifié que l'allèle de l'anomalie est récessif. On choisit le couple d'allèles, comme d'habitude, NM, pour symboliser, mais sur le gène qui contrôle cette anomalie, avec M. L'allèle muté N, l'allèle normal et N domine m. Bien sûr, le choix du couple d'allèles va me permettre de décrire les génotypes pour discuter la localisation chromosomique de l'allèle de l'anomalie. La, la, la question suivante, bien sûr, toujours, c'est la détermination de la localisation. Donc, pour déterminer la localisation chromosomique, on va discuter bien sûr les hypothèses, les trois hypothèses. L'hypothèse de l'anomalie portée par Y, par X, est autosomale. Première hypothèse, euh, bien sûr, l'allèle de l'anomalie est portée par le chromosome Y. Bien sûr, ici, vous pouvez rapidement trouver le contre-exemple qui va nous permettre de rejeter cette hypothèse. Tout à l'heure, on a rappelé, on a dit qu'une maladie portée par le chromosome Y ne doit pas figurer chez les filles. Or, L'arbre généalogique présente deux filles malades, 1, 2, la mère 1, 2 et 3, 1. Ça, c'est un premier contre-exemple qui va me permettre de rejeter l'hypothèse. Je peux aussi utiliser un autre contre-exemple. Le père 1, 1, dans cet arbre généalogique, a donné deux garçons malades. Or, le père, il est sain. Donc, la maladie ne peut pas être portée par le chromosome Y. Le sujet 3, 1 un, est une fille atteinte dont le caryotype ne renferme pas. Le chromosome sexuel Y. Donc, l'hypothèse d'une anomalie portée par le chromosome Y se trouve bien sûr rejetée. Deuxième hypothèse, avec la même démarche, l'hypothèse, donc l'allèle de l'anomalie est récessif porté par un chromosome sexuel X. Récessif porté par le chromosome X, l'arbre généalogique, bien sûr, on va essayer de trouver, bien sûr ici on va essayer de faire, d'étudier la, la localisation sur les individus malades essentiellement. Je vais prendre le cas des individus malades. Premier individu malade auquel je vais m'intéresser, c'est la fille 3-1. La fille 3-1, elle est malade. Donc du génotype, son génotype serait obligatoirement XM-XM. D'où est-ce qu'elle a hérité ces deux allèles Bien sûr, un allèle XM de son père malade et un allèle XM de sa mère. La mère elle est saine, mais elle peut être hétérozygote. Donc voilà le premier, la fille malade de génotype XMXM -XM, hérite un XM de son père, qui doit être malade. Ce qui est le cas de la fille 3-1 et le père de 3 Donc jusque-là, j'ai pas de contre-exemple. Je prends un deuxième cas. La femme 1-2, elle est malade. Donc, la maladie elle est récessive, portée par X. Donc, son génotype serait automatiquement, obligatoirement XMXM. XM. Elle va donner l'allèle XM à tous ses enfants. Les garçons, les deux garçons sont malades. Donc, les deux garçons héritent Y de leur père, qui est sain, mais héritent XM de leur mère. Et les deux garçons se trouvent malades. Donc, deuxième observation dans cet arbre, la mère malade de génotype XMXM XM donne XM à tous ses garçons qui doivent être malades, ce qui est le cas pour la mère 1, 2 et les garçons, bien sûr, 2, 1 et 2, 3. Il n'y a pas de contre-exemple ici, donc qu'est-ce que je fais Tout simplement, je retiens l'hypothèse, jusqu'à preuve du contraire, l'hypothèse est à retenir. Je retiens l'hypothèse et je passe à la discussion de l'hypothèse suivante. J'ai dit bien, je retiens l'hypothèse, mais je n'ai pas vérifié l'hypothèse. Tant que je n'ai pas encore discuté l'hypothèse de l'allèle portée par un autosome, je n'ai pas encore terminé. Je dois terminer l'hypothèse de l'allèle portée par un autosome. Troisième hypothèse, l'allèle de l'anomalie est récessif portée par un autosome. Dans ce cas, bien sûr, l'arbre généalogique, on va s'intéresser aux malades, les deux malades, les deux garçons, bien sûr, 2, 1 et 2, 3. J'ai deux garçons malades. Ces deux garçons malades, je vais chercher d'où est-ce qu'ils héritent l'allèle de l'anomalie. Je regarde leurs parents. Je dois toujours regarder parents-descendants pour pouvoir donc, euh, bien sûr, répondre à la question, pour pouvoir déterminer les génotypes et surtout pouvoir déterminer l'origine de l'anomalie chez les, chez les descendants. Les deux garçons malades héritent un allèle de la maladie de la maman, de la mère qui est malade, donc un 2, et un deuxième du père qui est sain et qui doit être hétérozygote, ce qui est possible. La fille aussi, donc je reviens à la fille tout de suite, les individus de 1, de 3, étant malades de génotype MM, auraient reçu l'allèle M de la mère, 1, 2, malade de génotype MM, et du père, 1, 1, sain, qui doit être hétérozygote. C'est le cas donc des deux garçons. La fille. Elle est malade aussi. La fille, donc, elle est de génotype MM, la même chose. D'où est-ce qu'elle a hérité ses allèles L'un du père qui est malade, l'autre de la mère qui est saine. C'est le cas, bien sûr, de la fille 3-1. Donc, ce qui est possible aussi, je retiens l'hypothèse. Donc, voilà ici, je me retrouve avec deux hypothèses retenues celle d'une anomalie portée par le chromosome X et d'une anomalie portée par le chromosome euh, par un autosome. Comment Bien sûr, on peut trancher entre les deux. Toujours, c'est l'exercice qui nous donne, bien sûr, les indices qu'on peut utiliser pour pouvoir répondre à cette question. L'indice que nous donne l'exercice on a pu déterminer chez certains individus de ce pedigree la séquence d'ADN de l'allèle normale et celle de l'allèle responsable de la maladie. Voilà. Donc euh, ici, l'utilisation de la technique de la biologie moléculaire et dans l'analyse de l'ADN. Le tableau suivant représente les résultats obtenus. Quelle précision apporte ce tableau vis-à-vis -vis de la localisation chromosomique de l'allèle, de l'anomalie, et justifiez votre réponse Pour pouvoir répondre, je vais essayer de mettre les deux documents ensemble, l'arbre et le tableau, pour pouvoir faire la correspondance. Les individus qu'on a donnés dans, dans ce document, 1-1, 1-2 et 2-2. Je reviens à l'arbre généalogique. 1-1, c'est le Père Saint. 1-2, c'est la Mère Malade. 2-2, deux, deux, c'est la Fille Saine. L'individu 1-1, un, un, donc il possède un exemplaire de l'ADN normal. L'individu 1-1. Un, un. L'individu 1-2, la Mère, elle possède deux exemplaires de l'ADN muté. Et l'individu 2-2, deux, deux, la Fille 2-2, de elle possède... Les deux exemplaires, un, l'ADN neuronal et un, l'ADN muté. Donc la fille de deux ici, elle est hétérozygote. Et rappelez-vous que la maladie est récessive. On a montré que la maladie est récessive. L'individu, donc, un, si la maladie est autosomale, je vais faire un raisonnement. Si la maladie est autosomale, donc la fille, bien sûr, ici, est saine, la, la mère, Bien euh, sûr, le, le, le père ici, normalement, si la maladie est autosomale, il devrait posséder les deux allèles. Pourquoi Vous me dites pourquoi Pourquoi il doit avoir l'allèle normal et l'allèle muté Parce que tout simplement, il a donné des garçons malades. Comment expliquer l'apparition de la maladie chez ces deux garçons Et c'est une maladie récessive. Si la maladie est autosomale, je répète, les deux garçons auraient bien sûr hérité un allèle normal. Un allèle plutôt de l'anomalie de leur mère, mais un deuxième obligatoirement du père. Le père il est phénotypiquement sain, donc le père doit posséder les deux allèles. Or, d'après le tableau, d'après les données de l'exercice, le père ne possède qu'un seul exemplaire de l'ADN, celui de l'ADN normal. Donc le génotype du père ne peut pas s'écrire N sur M. Donc obligatoirement, le génotype du père va s'écrire X, N, Y. Le sujet 1-1 du sexe masculin possède uniquement l'allèle normale en un seul exemplaire. Donc son génotype ne peut être que XNY. Avec cette donnée, bien sûr, on peut déduire ou conclure que l'anomalie est récessive portée par le chromosome X. Voilà donc pour un deuxième exemple. J'espère que, bien sûr, vous, pouvez, vous avez pu me suivre sur cet exemple. Et vous avez pu saisir le mode d'analyse, le mode surtout de discussion des hypothèses. La génétique humaine se base essentiellement sur la discussion des hypothèses pour pouvoir bien sûr éliminer les hypothèses euh, non retenues, à rejeter, retenir les hypothèses qui peuvent être validées par la suite par d'autres données. Et un exemple de ces hypothèses. On passe maintenant à une autre activité. Pardon, mais on a encore une autre question dans cet exercice. Voilà, la femme 3-3, enceinte, craint d'avoir une fille malade. La crainte de cette femme est-elle justifiée Argumentez votre réponse. Donc, la femme ici 3-1, elle est enceinte et elle attend bien sûr un bébé. Ce fœtus, on ne sait pas si ce fœtus sera malade ou non. La femme elle est inquiète. Est-ce que sa crainte est justifiée ou non D'abord, si on essaie de rappeler, la maladie, on a dit tout à l'heure que la maladie, elle est récessive, portée par le chromosome X. La femme 3-1, elle est de génotype XM-XM, elle est malade. Et le père 3-2, il est sain, donc euh, il est obligatoirement de génotype XN-Y. Donc les filles, toutes de génotype XN-XM, donc toutes saines, d'où la crainte de la mère n'est pas justifié la mère elle attend une fille si la mère donc attendrait un garçon quelle serait la réponse dans ce cas donc, si la mère attend si le fœtus était un garçon dans ce cas le garçon hérite y de son père mais il va hériter obligatoirement xm de sa mère donc le garçon probablement donc il serait malade si bien sûr le fœtus est un garçon mais le fœtus est une fille d'après les données et la fille donc, tant mieux pour la mer, elle sera saine. Bien, on passe maintenant à notre troisième activité. Et dans notre troisième activité, bien sûr, on va essayer de résoudre d'une autre façon une, euh, bien sûr, ici, anomalie. Donc, répondre à la question pour la localisation et à la fois la dominance en discutant toutes les hypothèses possibles. Le P degré suivant est celui d'une famille dont certains nombres sont atteints d'une anomalie génique grave. On vous demande, en vous basant sur le P degré, de, Gré, de dis discuter les hypothèses suivantes. Ici, c'est l'exercice qui vous donne les hypothèses et vous devez les discuter une par une, en prenant, bien sûr, en éliminant les cas impossibles, en testant les cas possibles et bien sûr, par la suite, on va essayer donc de voir si les hypothèses se trouvent retenus, on les retient jusqu'à d'autres documents que nous donne l'exercice et, et qui vont nous permettre de trancher. Première hypothèse, l'allèle de cette anomalie est récessif porté par le chromosome X. Deuxième, l'allèle de cette anomalie est dominant porté par le chromosome X. L'hypothèse 3, l'allèle de cette anomalie est récessif porté par un autosome. Et la quatrième hypothèse, l'allèle de cette anomalie est dominant porté par un autosome. Commençons d'abord par la première hypothèse. On va discuter ensemble la première hypothèse, l'allèle responsable de cette anomalie est récessif porté par le chromosome X. Pour cela, on va choisir un couple d'allèles qu'on va utiliser pour bien sûr désigner les génotypes des individus. Soit le couple d'allèles NM toujours avec M allèle de l'anomalie ou N allèle normal et N domine M. Je discute le cas d'une anomalie récessif portée par le chromosome sexuel X. Dans ce cas, bien sûr, on va raisonner sur l'individu, essentiellement l'individu de 3, le garçon de 3. D'après cette hypothèse, le garçon de 3 serait de génotype XMY. Je vais ici donc le garçon serait de génotype XMY. Il aurait hérité Y de son père, mais XM obligatoirement de sa mère alors que la mère elle peut être hétérozygote la mère elle est saine mais elle peut porter l'allèle de l'anomalie qui se trouve à l'état masqué ce qui est possible donc je retiens l'hypothèse donc il n'y a pas de contre-exemple je n'ai pas à rejeter l'hypothèse deuxième hypothèse On passe maintenant à la discussion de la deuxième hypothèse l'allèle de l'anomalie est dominant porté par le chromosome sexuel X, l'arbre généalogique, toujours avec, euh, bien sûr, euh, sur, on doit toujours euh, donner de l'importance à l'observation de l'arbre généalogique, et le couple d'allèles avec lequel je vais travailler. Maintenant, j'ai changé pour le couple d'allèles et j'ai utilisé la lettre M en majuscule puisque je discute l'hypothèse d'une anomalie dominante portée par le chromosome X. Donc l'allèle N, c'est l'allèle normale et c'est M, cette fois-ci, qui va dominer. Bien. Dans ce cas, je vais raisonner toujours sur l'individu, sur 3-3, l'homme 3-3, le garçon 3-3. 3-3, il est atteint et il est de génotype XMY. Il hérite Y de son père, mais XM de sa mère de 2. Cette mère, elle doit être obligatoirement malade, sinon elle ne peut pas transmettre l'allèle de la maladie à son fils. Or, d'après l'arbre généalogique, ce n'est pas le cas. Donc cette hypothèse se trouve rejetée. Par ce contre-exemple. Hypothèse rejetée. Troisième hypothèse. L'allèle de l'anomalie est récessif et porté par un autosome. L'allèle de l'anomalie, dans ce cas, il est autosomal. Donc, l'écriture des génotypes, bien sûr, ne prend pas. Il n'y a pas de différence entre l'écriture des génotypes garçon ou fille. Déjà, j'ai ici seulement des garçons sur cet arbre généalogique. L'individu 3-3 est malade de génotype MM, il, a reçu, il aura reçu l'allèle M du père de trois malades de génotype MM et de la mère de deux saines qui doit être obligatoirement hétérozygote. Donc, ce qui est possible, il n'y a pas de contre-exemple. La mère 1-2 peut être hétérozygote, elle est saine et elle peut avoir l'allèle à l'état masqué. L'hypothèse se trouve retenue. Dernière hypothèse. La maladie, ou l'allèle de la maladie, il est dominant autosomal. Voilà la quatrième hypothèse. Cet allèle de l'anomalie, la, dominant autosomal, le couple qu'on a choisi, bien sûr. Et on va discuter sur les deux garçons, 2, 1 et 2, 2. 2, 1 et 2, de 2. Euh, la fille et le garçon, pardon, de 1 et 2, de 2. Donc les descendants de 1, 2, 2, ils sont tous les deux sains. Donc sont deux génotypes, N sur N. Il hérite un allèle N de la mère, un 2 qui est saine, normalement, et le père qui est malade, mais le père peut être hétérozygote. Donc ce qui est aussi possible. L'individu sain, 3, 2, la fille, elle est saine. Donc elle hérite un allèle sain de sa mère saine et un deuxième allèle de son père qui est malade, mais qui peut être hétérozygote. Donc ce qui est possible. La, la, cette hypothèse aussi se trouve à retenir. Récapitulons donc, les, les, les hypothèses qu'on a discutées. L'allèle de l'anomalie peut être donc, à la fois récessif porté par X, première hypothèse retenue, récessif autosomal, deuxième hypothèse retenue, et dominant autosomal, c'est la troisième hypothèse retenue. Comment on va trancher entre ces trois hypothèses. Donc, on va chercher dans l'exercice d'autres données qui vont nous permettre de retenir une seule hypothèse parmi ces trois. La femme 3-2 s'est inquiétée quant à l'état de santé de son futur enfant. Pour répondre à cette inquiétude, on a établi le cariotype du fœtus F et on a analysé par la technique de l'électrophorèse qu'on vient de voir dans la vidéo de la, séance, de la dernière séance l'ADN des sujets 32 et 33 les résultats obtenus sont indiqués dans le document suivant donc le document ici nous donne le karyotype du fœtus mais aussi nous donne l'analyse de l'ADN du fœtus et les allèles présents chez le fœtus on vous demande ici en vous basant sur l'analyse de l'ADN, précisez en justifiant votre réponse l'hypothèse confirmée. On va s'intéresser à l'analyse de l'ADN. Et ici, l'exercice nous demande de bien sûr justifier la réponse, mais surtout de bien sûr chercher l'hypothèse confirmée. Donc parmi ces trois hypothèses, on va retenir une seule. Comment ces données vont nous aider, bien sûr, à éliminer deux hypothèses parmi les trois Comment l'analyse de l'ADN et l'arbre généalogique vont nous permettre de trancher entre les hypothèses et surtout comment on va exploiter cette analyse d'ADN. L'analyse d'ADN chez les individus 32 et 33 montre des tâches, de la, bien sûr, de l'ADN et ces tâches d'ADN sont qualifiées de allèle A1 et allèle A2. Première étape, on va essayer donc d'abord d'identifier les allèles A1 et A2. Quel est l'allèle responsable de l'anomalie on va s'intéresser à l'individu 3-3 qui ne possède que l'allèle A2. L'individu 3-3 est phénotypiquement malade, mais ne possède que l'allèle A2. Donc on peut identifier l'allèle A2 comme étant l'allèle de l'anomalie et l'allèle A1 comme étant l'allèle normale. Bien. L'individu maintenant, donc 3-2. nous a donné deux individus. À partir de l'individu 3-3, on a identifié l'allèle de l'anomalie et l'allèle normale. L'ictroforeste de l'individu 3-2 maintenant. La fille 3-2. Elle est saine. Et elle possède deux allèles. Elle possède à la fois l'allèle normal, mais aussi l'allèle de l'anomalie. Phénotypiquement saine, donc l'allèle de l'anomalie, il est masqué par l'allèle normal. Donc l'allèle de l'anomalie est masquée. La fille 3-2, elle est hétérozygote et saine. Et dans ce cas... La, la maladie, bien sûr, est récessive. On peut déduire, conclure que la maladie est récessive puisqu'on a une fille saine et qui présente à la fois l'allèle sain et l'allèle de l'anomalie. Reste maintenant à répondre à la question Donc, la maladie récessive, mais est-ce qu'elle est récessive autosomale ou récessive portée par X Donc, reste à déterminer, bien sûr, la localisation. Toujours grâce à l'analyse de l'ADN et l'analyse de l'ADN, bien sûr, et grâce à l'individu 3-3 qui est un garçon. Le garçon, il est atteint et porte un seul exemplaire de l'allèle, donc son génotype s'écrit obligatoirement XMY. À partir de cette analyse, on peut déduire que l'allèle de l'anomalie, cette anomalie étudiée dans cette activité, est portée par un chromosome X et il est récessif. Donc l'anomalie étudiée ici est récessive portée par le chromosome sexuel X. Bien, en analysant les résultats, le médecin n'a pas conseillé la femme 3-2 d'interrompre sa grossesse. Expliquez le point de vue du médecin. Et bien sûr, rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'en génétique humaine, on utilise le, bien sûr les arbres généalogiques, l'étude, l'analyse des arbres généalogiques, on utilise les nouvelles techniques de biologie moléculaire, mais aussi on utilise l'analyse des cariotypes. Un cariotype va me donner... Des indices sur le fœtus. Premier indice que je peux déterminer à partir du caryotype D'abord, c'est son sexe. Ici, d'après le caryotype le karyotype ici, j'ai un chromosome, deux chromosomes sexuels XX, une paire de chromosomes sexuels X. Donc le fœtus est une fille. Elle porte la paire, elle présente la paire X dans son caryotype Et d'après le degré son père, il est sain. Le fœtus, le couple 31 et 32 est un couple sain. Le père, il est sain. Donc son génotype s'écrit obligatoirement X, n, Y. La fille va hériter obligatoirement un allèle Xn de son père qui est sain. Donc elle sera une fille saine et tant mieux pour la mère. Ainsi le médecin n'a pas conseillé la femme 32 d'interrompre sa grossesse. Vous voyez ici comment on a pris donc ces exemples pour à chaque fois, vous voyez que à la fin de chaque activité. On a répondu à la fin donc de chaque activité à deux questions. Donc pour déterminer le mode de transmission d'une maladie, on doit déterminer d'abord la relation de dominance et la relation entre euh, la, la localisation bien sûr de l'allèle. L'étude de bien sûr de l'analyse de l'ADN, le fœtus, le karyotype du fœtus, ont permis de détecter quand vous voyez ici deux cas dans les deux arbres généalogiques, on vous demande si le fœtus sera sain, si le fœtus sera malade. Donc grâce à l'étude des cariotypes, grâce à l'analyse de l'ADN, grâce à ces nouvelles techniques, bien sûr, de biologie moléculaire, on peut prévoir si jamais un fœtus aura ou non une anomalie héréditaire. Et bien sûr, ça fait le sujet de notre dernière partie de ce cours, à savoir le diagnostic prénatal. Quel est l'intérêt du diagnostic prénatal Comme son nom l'indique, le diagnostic prénatal permet d'identifier, bien sûr, de diagnostiquer une maladie, une aberration chromosomique, mais avant la naissance, prénatale. Donc, permet d'identifier une aberration chromosomique, un gène responsable d'une maladie, chez un fœtus même de quelques semaines. Et il est conseillé dans le cas d'une grossesse à risque, femme âgée, mariage ou mariage consanguin. Exemple, bien sûr, de, de, de technique de diagnostic prénatal, l'amniosynthèse. C'est le prélèvement du liquide amniotique dans lequel se trouvent des cellules du fœtus. Il est pratiqué à la 17e semaine de la grossesse par ponction, donc à l'aiguille, sous contrôle échographique. Donc on prélève quelques cellules à partir du liquide dans lequel baigne l'embryon. Ces cellules vont être par la suite analysées. On verra donc par quelle technique d'analyse. Cette technique est pratiquée à la 17e semaine de grossesse et permet donc de réaliser d'abord le caryotype du fœtus, puisque les liquides dans lequel baigne le fœtus, il possèdent des cellules fétales. La deuxième technique, c'est le prélèvement du sang fœtal, qui a lieu dans le cordon ombilical sous guidage échographique vers la 18e à la 20e semaine de grossesse. Dans le cordon ombilical, on prélève des cellules sanguines du fœtus, et bien sûr, ces cellules sont par la suite analysées. Les cellules prélevées par l'une de ces deux techniques sont mises en culture à une température de 37 degrés. Les euh, recherches effectuées sur ces prélèvements variés permettent la détection d'éventuelles aberrations chromosomiques ou de maladies géniques. Les principales techniques utilisées sont d'abord la réalisation de karyotype. Donc on réalise un caryotype. Je vous rappelle ici par cette animation comment on réalise un caryotype ou les techniques de réalisation d'un caryotype. Vous avez certainement, euh, certainement étudié cette technique avant, mais on va juste la rappeler, cette technique de réalisation d'un cariotype. Prélèvement des cellules sans, du sang veineux, des cellules bien sûr de l'organisme, mise en culture de ces cellules dans un milieu approprié. Il y a séparation des euh, leucocytes et des hématies. On va récupérer les leucocytes puisque ce sont les cellules qui possèdent des noyaux. Mise en culture, on bloque la division grâce à une substance, la colchicine, on éclate les cellules et on recueille les chromosomes qu'on découpe, qu'on range et, bien sûr, qu'on analyse par la suite quand on aura obtenu le caryotype. Donc, cette technique d'analyse de cariotype euh, nous permet d'analyser de, de, un cariotype normal et qu'on a déjà analysé, euh, bien sûr, dans la diapo précédente. Bien. Deuxième technique, ou bien, c'est l'analyse du cariotype. Qu'est-ce qu'elle va nous permettre, cette analyse L'analyse du cariotype, bien sûr, elle va nous permettre de détecter des aberrations chromosomiques. Des aberrations chromosomiques telles que, comme vous voyez ici. Attends, je reviens ici à la diapo. Les aberrations chromosomiques, comme vous voyez ici chez cet individu, au niveau du chromosome numéro 21. Dans un individu, chez un individu normal, chez un garçon normal, donc on observe ici une paire de chromosomes au niveau de l'autosome 21. Deux exemplaires au niveau de l'autosome 21. Alors que chez cet individu, chez le garçon, il y a trois exemplaires au niveau de l'autosome 21. Et on parle dans ce cas de la trisomie 21. La question qui se pose, quelle est l'origine de la trisomie 21 Qu'est-ce qui fait que chez ce garçon, il y a trois exemplaires au niveau du chromosome 21 On va chercher ensemble l'origine de la trisomie 21 grâce à cette animation. La trisomie 21. On va vous rappeler, donc, la au cours de la formation des gamètes, une méiose normale. Lors d'une division normale, une méiose normale, lors de la formation des gamètes, les chromosomes homologues se séparent au cours de la division réductionnelle. Et par chacun dans une cellule. Donc, la division réductionnelle est caractérisée par la séparation des chromosomes homologues. Lors de la deuxième division, la division équationnelle, les chromatides se séparent de telle sorte à obtenir un exemplaire de chaque bien sûr chromosome dans les cellules obtenues, c'est-à-dire dans les gamètes. Mais il arrive parfois que la division, bien sûr, ait des problèmes, des anomalies au niveau de la division, telles que la division réductionnelle, comme vous voyez ici, il n'y a pas eu de séparation des chromosomes homologues au cours de la division réductionnelle. Donc, on se trouve avec une cellule qui présente les deux chromosomes homologues 21 ensemble, alors que la deuxième, elle est vide, elle ne présente pas d'exemplaire de ce chromosome. Lors de la deuxième division, à la fin de la division, on obtient des gamètes qui présentent donc, N plus 1 chromosome au lieu de 23 chromosomes. Donc, on obtient des gamètes avec 24 chromosomes et qui possèdent un chromosome surnuméraire, un chromosome au niveau de l'autosome 21. Donc il y a un exemplaire en plus. L'anomalie de la euh, division de la méiose peut se dérouler dans la deuxième division. Donc la première division peut se dérouler normalement sans aucun problème. Il y a séparation des chromosomes homologues, mais au cours de la deuxième division, les chromatides peuvent ne pas se séparer. Et par conséquent, on va se trouver avec deux chromatides dans la même cellule. La fécondation... Donc, va permettre l'union entre un gamète normal avec un gamète qui possède deux exemplaires de, du chromosome 21 et on se trouve avec des zygotes à deux N plus un chromosome. C'est le cas des trisomies. Il y a plusieurs cas de trisomie, mais nous on étudie seulement le cas de la trisomie 21. Donc la trisomie 21, si j'essaie de l'expliquer. La trisomie 21 résulte donc d'un accident survenu au cours de la méiose chez l'un des parents. Les deux chromosomes de la même paire ne se séparent pas et passent ensemble dans la même cellule fille. Cela peut se produire lors de la division réductionnelle ou bien lors de la division équationnelle. Ainsi se forment des gamètes possédant deux chromosomes 21. À la fécondation d'un gamète normal par un gamète anormal, entraîne bien sûr la formation d'un zygote ayant trois chromosomes chromosome 21. Donc le caryotype permet toujours de détecter les aberrations du chromosome sur le plan nombre de chromosomes, forme du chromosome, mais ça ne permet pas de détecter les anomalies géniques. Pour détecter les anomalies géniques, le diagnostic d'une anomalie génique, on peut bien sûr avoir recours à l'analyse de l'ADN fœtale qui correspond au gène de la maladie par l'utilisation de la technique toujours de l'électrophorèse qu'on a vue bien sûr précédemment dans la vidéo de la séance précédente. Bien sûr, ainsi s'achève notre cours. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver peut-être dans d'autres cours.